Bon, salut à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour mon moment fort pour tous les footeux. Chaque saison, chaque rentrée, c'est l'occasion de découvrir un nouveau jeu de foot. Et là, c'est la mouture de FIFA qui sort, le FIFA 15. Alors moi, j'ai eu l'occasion de le tester en démo aujourd'hui même sur PC. Sur PC cette année, il est en next-gen, c'est-à-dire comme sur Play 4 et sur Xbox One. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus fou à l'idée de le tester. Donc on démarre sur un joli logo de FIFA 15, hein, ça change un peu des autres. Et on m'a dit que normalement, si on le lance, voilà, on tombe sur un match d'office Liverpool-Manchester City. Donc c'est deux formations que j'aime bien, mais bon, c'est pas non plus les formations avec lesquelles je préfère jouer. Comme je suis français, comme je suis chauvin, on va jouer avec le PSG qui est aussi dans cette démo. Donc on va se prendre le petit Zlatan, hein, et on va essayer de faire du mieux qu'on peut pour marquer et gagner ce premier match. Donc là, on va laisser un petit peu l'entrée des joueurs pour regarder un peu les graphismes. C'est vrai que... C'est vrai que pour ceux qui n'ont pas de PS4 et pas d'Xbox One, là c'est monstrueux, hein, on va dire ça comme c'est. La pelouse, les supporters, c'est énorme, quoi. Graphiquement, on en rêve tous chaque année, on se dit putain, mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire de mieux? Et là déjà, on a une claque. Moi perso, j'ai une claque, c'est-à-dire que sur mon PC, je le passe en Full HD. Full HD, tout en ultra, et il n'y a pas un ralentissement, pas un bug. Il risque peut-être d'en avoir tout de suite parce que bon, j'enregistre par-dessus. Mais quel graphisme, quoi. Regardez les supporters, c'est bon. On va pas le laisser, on va passer directement à un autre match. Comme ça, on va aller à fin de match, hop, quitter. Et on va se placer sur Paris pour démarrer. Alors, ce qu'on va faire, coup d'envoi. Hop, petite présentation, blablabla, les nouveautés, gardien, contrôle, les stats de première ligue. On en parlera pendant le match. On va se mettre en alternatif, mais on va changer les commandes. On va se mettre hop ici et c'est bon, je suis parti pour faire mon premier match en personnalisé. On va prendre donc Paris et on va jouer contre, pourquoi pas, Chelsea. C'est une bonne affiche pour moi. On va jouer en bleu et Chelsea en jaune. Donc déjà, la modélisation, c'est énorme. Comme je vous ai dit, vous allez voir, on va se mettre en pro. On est en été, donc on se met en été. Jour dégagé, hop. On va se mettre en caméra, diffusion de télé. En personnalisé comme d'habitude. On regarde vite fait. Et on y est. Mais c'est parti, on peut lancer le match. Donc comme d'habitude, des mini-jeux, je vais pas les faire, regardez même pour les mini-jeux, regardez l'état de la pelouse, c'est monstrueux, on voit chaque brin d'herbe. Et on va tout de suite passer à la présentation des joueurs parce que je n'en peux déjà plus. Voilà la présentation des joueurs. Alors comme je vous disais, le public, qu'est-ce qu'ils avaient fait, c'est monstrueux ce qu'ils ont fait sur le public, la pelouse, on voit chaque brin d'herbe briller. Et cette année, le terrain va se dégrader au fur et à mesure du match, c'est-à-dire que chaque tacle, chaque petit brin d'herbe qui va être soulevé par un tir fort ou une passe va faire que le terrain va avoir des marques. Et bon, ça va pas se ressentir dans le gameplay, regardez l'entrée des joueurs, c'est... Désolé, je peux même pas parler, c'est... Ouais, c'est autre chose, hein, on va dire, ça passe à un autre niveau, là, d'un coup, on est monté d'un cran et c'est monstrueux. Regardez Ibrahimovic. Je pense qu'il va faire un bon match, il va m'aider pas mal. Allez, on va démarrer. On va arrêter de parler, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti, premier match. Donc pour l'instant, ce que je remarque, c'est un peu lent comparé à la PS3, c'est-à-dire que dans les contrôles, on va dire qu'on peut plus poser le jeu. Donc c'est pas mal. C'est un truc que je préfère, on va dire ça comme ça. On va voir pour la défense. Hop, c'est bon, je vais récupérer. Pas pour longtemps. Et là, ouais, là je reprends. C'est pas mal du tout. Alors on voit bien le terrain, hein. Vous allez voir. L'herbe qui va se dégrader au fur et à mesure. Alors, il y a un petit temps d'adaptation pour moi, hein, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Ah, oh là 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 là.
Alors ce qu'il y a de nouveau aussi, voilà, les petites scènes entre chaque action, les petites scènes coupées là, c'est sympa, ça met plus de réalisme, on est plus dans l'ambiance. Les chants des supporters, c'est énorme, quoi. C'est, vous entendez peut-être pas l'ambiance comme moi, mais là il y en a énormément. Ce qui a changé aussi, on va dire que c'est surtout tout ce qui est, on va dire, tout ce qui va être prise de balle, tout ce qui va être gardien. Les gardiens ont été améliorés, optimisés, ils ont des placements, ils vont aller chercher des ballons qu'avant ils ne pouvaient pas aller chercher. Et ce qui va rajouter un peu de difficulté au jeu, c'est bienvenu cette difficulté, parce que c'est vrai que les gardiens ils se trouvaient assez souvent, je pense, avant, pour ma part. Donc là on va essayer d'y aller. Hop, ah ils sont. On va essayer, on a le temps, on a le match entier. Donc c'est vrai que c'est pas mal fait du tout. Dans la démo, je testerai, il paraît qu'il y a la neige, c'est vraiment bien fait comme condition. C'est à tester, donc je vais tester ça plus tard. Ah, allez, il a raté son tacle, on y va. Petite feinte, petit tir. Oh, le poteau, putain. Ah, j'étais presque à mon premier but, j'étais presque. Le premier but à FIFA chaque année, c'est mon petit plaisir. C'est un plaisir, je sais pas si d'autres le ressentent comme ça. Moi j'apprécie particulièrement de marquer mon premier but à FIFA chaque année. Depuis que je joue à des FIFA, c'est-à-dire depuis FIFA 97. Entre temps, il y a eu la période PES, mais ça c'était avant, parce que PES maintenant, ils sont à la rue, comme chaque année. Allez, on repart. Allez, Ibrahimovic il est grand, il va aller la choper. Ah non, il va pas la choper. C'est un peu plus dur, hein, comme je vous ai dit, c'est le premier match, il faut se mettre dedans. Alors j'ai pas trop vu les stats de Paris, je sais pas combien ils sont. Allez, on y croit. Ouah, presque, ça passe de peu à côté il me semble. Mais voilà, des tirs qui étaient cadrés dans les autres versions, là on a un peu plus de mal à les mettre. Et vous voyez, encore des scènes qui pimentent un peu l'action, qui pimentent un peu le jeu, ça rajoute du réalisme. On voit les saletés sur les chaussettes par exemple, c'est... Pff, ils ont rajouté du détail, c'est monstrueux, ils ont été jusqu'au plus petit détail. Allez, c'est parti. On repart. Oh là là, c'est trop dur de marquer, putain. On n'y est pas. Mais comme je le dis, c'est plus plaisant au moins quand on marque. Regardez, vous avez vu les petits brins d'herbe? Moi je les ai vus. Quand on a tapé là, quand Zlatan vient de taper, il y a eu des petits brins d'herbe qui ont décollé de la pelouse. Et ça, ça peut être rien pour d'autres, mais pour moi, c'est beaucoup. C'est énorme ce qu'ils ont fait. Je sais que j'attends avec impatience le vrai jeu pour pouvoir faire un petit championnat avec les poteaux. Allez, on y croit. On va essayer de s'y mettre bien. Ah là là, l'attaque. J'aimerais bien un petit coup franc aussi pour tester. Mais déjà c'est pas mal ce qu'on a là. Alors bien évidemment, les tirs enroulés qu'on pouvait mettre à FIFA 12 à tous les coups, hein, quand on repiquait dans l'axe et qu'on mettait un tir enroulé en pleine lucarne opposée, mais là c'est un peu plus dur de les mettre. Et c'est bienvenu ça aussi. Parce que c'est vrai qu'on mettait des fois des écarts de but assez impressionnants. Là pour l'instant, vous le voyez, je suis plus à m'en prendre moi qu'à en mettre. Et voilà, c'est la mi-temps. Donc là vous voyez l'état du terrain, hein. Vous voyez les marques, les traces de pas, de tacles, il y en a partout. C'est très très bien rendu. Et là pareil, si on regarde bien, la pelouse est monstrueusement bien faite. Et pareil pour... j'ai plus de mots, c'est pour les... Désolé pour les spectateurs, enfin, voilà, c'est monstrueux. Je sais pas comment dire, mais... Voilà, si on regarde un peu les ralentis, vous voyez un peu plus les graphismes. Le poteau que j'ai mis. Oh là là. Et là, pareil, si j'avais pu le mettre celui-là. Regardez comme c'est bien fait, on croirait limite regarder téléfoot. Hein. Ah là on se régale. On se régale, moi je me régale, personnellement. Ça a été aussi amélioré sur les contacts. Les contacts avec la balle, avec les physiques. C'est...
il n'y a plus vraiment de je passe ma jambe dans ta jambe au travers sur un petit bug. Là c'est vraiment du contact et on reprend direct parce qu'on n'a pas le temps. Et là on va essayer d'aller un peu plus haut. Allez. Ah, on va prendre un but. Ah non, beau gardien. Un très beau gardien. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, j'ai pas vu. Ah, un hors-jeu. Ouais, hors-jeu. Pas de beaucoup, hein. Alors il y a eu l'absence de ligne, je sais pas si ça sera dans la bonne version, dans la vraie version finale. Allez, on essaye de passer par les ailes. Mais c'est très très dur, c'est très resserré. On va essayer l'autre. Allez, il est lancé là, il est chaud. Allez. Oui, premier but, ça c'est beau ça. Et allez, on va faire un peu, on va glisser tout simplement et on va savourer ça. C'est le premier but. Alors, mon premier but à FIFA, mais regardez le public. Regardez le public, mais sérieusement. Et là, beau débordement, petite passe. Et là, on se jette. On met le petit extérieur pied là. La petite pichenette. Contré heureusement, parce que s'il n'était pas contré, mais il n'aurait pas été. Hein. Regardez bien. Là, il est bien contré. Ouais. Il est contré deux fois par le gardien et le joueur. Mais il rentre. Et ça, c'est beau. Voilà. Cavani. Très beau but de Cavani. On risque d'en prendre un là. Ouh, la transversale, on a failli prendre. In goes the cross. Keeper Hazard. Chance for the cross. Can he turn away from the challenge here? He shoots, and it's Sirigu with a super save. Bah, désolé pour la petite coupure, on reprend le match, on était sur un arrêt, c'est ma caméra qui a coupé tout simplement. Alors on a été là recharger. Donc là, premier changement de la partie pour Chelsea. Ramirez qui rentre, c'est pas mal fait. Regardez encore l'herbe, une nouvelle fois, c'est ce qui me tue l'œil, la rétine à chaque fois. On va essayer de s'en sortir. C'est bon, bonne prise du gardien. Et on redémarre direct. Allez, c'est parti. C'est parti, on y croit. Et allez, le tacle manqué. On y croit. On remonte. Allez. Ah, on y était presque. On l'avait. David Luiz. Et la touche pour nous. Deuxième changement pour Chelsea. Allez, on va peut-être essayer d'en marquer un deuxième pour conforter. C'est très très dur. Ils sont toujours sur nous. Mais je pense qu'avec des petits matchs d'entraînement, ça va repasser tout seul. Ça fait longtemps que j'avais pas touché un FIFA. Et là, je me fais une joie de vous présenter celui-là. Oh là là, le poteau, non, oui, le deuxième poteau, je suis châteux de mort. C'est fou ce qui se passe, je suis châteux, mais je sais pas comment. J'ai glissé. Parce qu'il y avait un truc sur l'herbe là, parce que regardez, voilà, ça joue sur les émotions. Ils ont mis des petites scènes où ça s'engueule, ça se chamaille un peu. Et je prends ma première biscotte. Donc on va se calmer un petit peu, on va essayer de relativiser tout ça. On va rester calme et sportif. Regardez, une nouvelle fois, ouais, mais non, hein, c'est lui qui me saute dessus. Je suis désolé, moi j'étais là pour le ballon. Mais bon, j'ai pris le joueur avant. Troisième changement, décidément ils n'en finissent pas. Et regardez qui c'est qui rentre.
Je pense qu'il est un peu connu. Et on a Didier. Didier qui vient de rentrer. On va essayer de ne pas prendre de but maintenant, ça serait con. Mais je pense que... Ah, là c'est bon. Et ouais, des tirs à côté, ça en a mis beaucoup. Ouais. Et pas que moi. Et quelques petits potes à moi qui vont se reconnaître en voyant cette vidéo. Mais ça joue très bien en fin de match, c'est monstrueux ce qu'il joue bien. Mais il est hors jeu, voilà, hors jeu. Deux fois qu'il est hors jeu. Voilà, too early. On essaye. Alors, je sais que ça buggera un peu quand vous allez regarder cette vidéo. Ça, le jeu, vous aurez l'impression qu'il bug. Mais en fait, c'est parce que j'enregistre le jeu en direct avec un logiciel. Donc forcément ça bouffe un peu de puissance de mon PC, mais bon, faut vous dire que sur PC, même une petite config peut le faire passer, je pense. Une moyenne config, une config de base là, ça passe à mon avis. Il y a faute de qui là, faute de qui? Faute de moi. Ah ouais, d'accord, si tu veux. En tout cas c'est la 95e et je pense qu'ils reviendront pas au score. Voilà, si je peux en mettre un deuxième là, ça peut être sympa. Mais non. Faudrait pas non plus les laisser remonter. Je viens de dire qu'ils ne reviendront pas au score, mais. Est-ce que je vais parler trop vite? Non, c'est bon, le gardien qui est tranquille. Allez, montez. Montez. Oui, oui. Allez, on gagne du temps. Et c'est parti. C'est fini. Voilà, premier match. Bon, mais sur un but un peu moche. Mais premier match quand même, premier match gagné. Alors ce jeu, voilà, c'est ce que j'attendais, c'est des graphismes de ouf, c'est de la jouabilité que j'aime bien. C'est voilà, c'est un tout. Une ambiance, des nouveautés de partout. Il me tente d'avoir la version finale et de pouvoir la tester entre amis. Hein. Donc là on peut regarder, voilà, vous avez tous les ralentis du match en détail et c'est vrai que c'est... Vous allez voir, vraiment, c'est quand même joli. C'est quand même très très joli. Voilà, donc c'était Jérémy hein, pour une vidéo test démo, découverte, on va dire, de ce FIFA 15. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut !